C'était écrit, les astres l'avaient annoncé, les devins l'avaient lu dans les viscères des animaux, que devait naître de la semence de Kunt le tueur, le plus grand des chefs que la terre ait porté. Thor le conquérant. Le dieu Técha l'avait prédit. Nous avons atteint la pierre sacrée de notre dieu Técha. C'est ici, avec sa bénédiction, que Thor, fils de Kunt le tueur, verra le jour. Et moi, Etna, avec le feu et l'aide de l'esprit des morts, purifie le symbole de la vie.
que moi, Etna, je sauvais le petit enfant, au grand désappointement de la vieille sorcière Al-Houda, qui avait pour habitude de recueillir les yeux des morts. Les années passèrent, le temps fit son œuvre. La terre changea, le dieu des vents et du tonnerre épargna notre prairie. Le soleil féconda la lande et la terre devint mère à son tour. Et voici Thor, celui qui un jour sera le plus grand. Je l'ai élevé comme s'il fût mien. Enseigner à combattre, à suivre une piste et à tuer. Et à mentir aussi. La seule chose que j'ai omis de lui apprendre, c'est ma magie. Cela m'aide à être respecté, du moins un peu. Désormais, il est trop grand et trop fort pour moi. Oh, Mira. Oui, je suis trop vieux. Me contenter, hélas, de ses restes. Ce qui montre combien est proche l'heure de ma mort. Je vais bientôt partir. Thank you.
rentrer de chasse. Cette nuit, ils les tueront et mangeront leur chair. Qu'est-ce que c'est? Une femelle. Femelle? Qu'est-ce que c'est, une femelle?
Non, Thor. Non, elle n'est pas à manger. Et tu dois manier cette chose avec un peu plus de douceur. Elle est faite pour le plaisir. La femelle est une chose stupide, mais elle t'appartient désormais. Prends-la. Elle est tienne. Thor, tu ne dois pas être aussi gentil avec elle. La femelle doit t'obéir, un point c'est tout. Être à ton service. Tu es son maître ainsi que tes fils, Thor. Les fils qu'elle te donnera. Le maître en général aime mieux faire des fils que d'aller cueillir les fruits sur l'arbre. Aujourd'hui, Thor connaît la mort et l'amour. Aujourd'hui commence son existence, la mienne arrive à son terme. Demain, c'est le jour choisi par Técha, notre dieu. Et tu dois y aller, Thor. Non, Thor, reste ici. Ici, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et surtout, il y a la femelle. Técha! Técha a parlé, Thor. Et par ma voix, il te dit que tu dois aller, c'est un ordre, à la recherche de l'épée de ton père et de la semence d'or, la nourriture qui renaît après la neige. Je t'aiderai à la demande de Técha et en son nom. Técha à qui tu dois la vie. Thor ira à Técha. La mort, Thor, c'est aussi la vie. Mon corps est trop fatigué pour te suivre, Thor. Mais mon esprit sera avec toi, dans le souffle du vent. Thank you.
Thank you.
C'est bien la bonne direction? Oui, et tu vas traverser le territoire des vierges guerrières. Et je devrais combattre ces guerrières? Si tu enfreins les limites de leur territoire, oui, tu devras les combattre. Thank you.
T'as peur, femelle? Tous les hommes ont peur de venir ici. Thor n'a pas peur, lui. Cette terre sera à moi, je serai son conquérant. Ce sera Thor, son roi. Parce que c'était écrit et que Técha l'a ordonné. En ce lieu, j'engendrerai les fils que la femelle me donnera. Toi, attends ici. Tes enfants sont de retour et se prosternent devant toi. Ô protecteur de la manne dorée, accepte notre sacrifice. Purifie la terre et la rende plus féconde. Des vents, du ciel et des nuages, fais que je puisse dormir à tes genoux. Voici l'occasion de me tuer.
semence dorée. Le symbole de la vie. Non! Non, tu ne dois pas les toucher. Seuls les esprits en ont le droit. Les hommes le peuvent aussi. Ça leur appartient. Tes chats l'exigent. Du feu. Oui. C'est ainsi que Thor le Conquérant connut l'amour. Tesha lui avait donné Ino pour compagne. Ils poursuivront ensemble leur voyage pendant 6 longues lunes. Ensemble, ils franchiront les montagnes du soleil. Et il leur fallut une autre lune pour traverser les pâturages des grands bisons. Ami.
Voilà. À vous, mon chien. La longue route entreprise arrivait presque à son terme. Thor et Ino, ce matin-là, dépassèrent les frontières du territoire qu'ils connaissaient. Pas très loin d'ici, au-delà des grandes eaux, le dieu Técha présidait au destin de Thor, le conquérant. J'avais expliqué à Thor ce que c'était, mais il ne m'avait pas compris. Peut-être qu'il n'y avait pas cru.
Ino attendait un enfant de Thor. C'est une femelle forte et très sage, qui sait combattre. Et ceci est bien, car le jour viendra où ils devront affronter Knut, l'ennemi de Thor. Cet homme est Thor. Et les esprits de la terre, des eaux, des vents et des grandes profondeurs l'aiment. Técha a parlé. Va. Va et dis-lui de venir jusqu'à nous en paix. Va, allez. Si Onil me l'ordonne, j'irai voir cet homme. Tu es bienvenu parmi nous. Et moi, Onide, dis que dès à présent, tu seras le nouveau chef de la tribu, notre chef à tous. Moi, Thor, je serai chef d'un peuple de guerriers. Et le tien est un peuple de femelles peureuses. Thor sera le chef des hommes des terres perdues. Il leur enseignera à être un grand peuple, et il leur donnera à manger, et il leur montrera comment cultiver le sol. Je dis que Thor sera le nouveau chef de la tribu. J'enverrai des hommes le proclamer jusqu'aux confins de ce monde. Il n'y a plus de nuit. Les animaux meurent. Les hommes affamés viennent nous prendre notre nourriture. Ils nous forcent à leur donner le fruit de notre labeur. Nous leur donnerons très peu, juste. Un tout petit peu et... Non, nous ne leur donnerons rien. Onid est un homme qui cherche la paix depuis toujours. Mais Thor est de la race des guerriers. Voici la première vierge qui deviendra une femme à la nouvelle lune. Elle sera la femme de notre chef. Il en est ainsi, et cela depuis la nuit des temps. Il en est ainsi, et cela depuis la nuit des temps. Thor. Écoute l'esprit sacré de la terre, du ciel, de l'eau et de la nuit. Les semences que t'a données tes chats, désormais, seront pour les hommes nourriture. Et ce, jusqu'à la fin des temps. Et tu seras Thor, l'invincible, et le bienfaiteur de l'humanité, car des dieux, tu détiens le pouvoir de féconder la terre des hommes. Entendre les brebis maintenant. Fais-moi en paix. Thor ! Que veux-tu ? Ils avancent sur nous. Je les ai vus. Il y a beaucoup d'hommes, ils sont armés. Ils viennent de la montagne, par-delà les grandes eaux. Ils sont encore loin ? 5 fois le tour du soleil. Retourne-y et quand ils arriveront ici, avertis-moi.
C'était enfin au jour splendide, la guerre qui devait bientôt changer le monde était proche. Mais le peuple de Thor n'était pas un peuple de guerriers. Les hommes de Thor étaient des hommes pacifiques. Bons pour la chasse ou pour la pêche, incapables de faire la guerre. Au contraire, Knut, ennemi de Thor et assassin de son père, était entouré de guerriers téméraires, rendu encore plus féroce du fait de la famine. Parce que la terre était stérile à cause du manque de pluie. Knut savait que quelque part existait un lieu où il y avait de la nourriture à profusion et des femmes. Et que Thor possédait et la terre et les femmes. Mais là où peut échouer la force de l'ours, peut réussir la ruse et l'astuce du serpent. Et seule une femme telle que Ino, la femme de Thor l'invincible, et mère de sa progéniture, possédait la ruse et l'astuce du serpent. Thank you.
Knut épargna la vie de Thor, mais il fit quelque chose de pire que la mort. Toi, tiens la femelle! Anuta, la sorcière qui collectionne les yeux des morts, se vit refuser ceux de Thor. Ceux-ci lui furent défendus à jamais. Thank you.
je vois. Ah, je vois à nouveau. Ah, je vois. Et en dehors du village. Nous ne sortirons pas du camp, alors. Et le peuple de nos esclaves continuera à nous apporter de quoi boire et de quoi manger. C'est moi qui devrais être leur chef à tous, et au contraire, c'est Gnut qui l'est. Toi, tu aurais pu rester dans le royaume des morts. Où est l'épée de mon père? Et tes chats? Moi, Thor, je ne peux combattre seul contre tous. Thor, cet animal est un cadeau de Técha. Un jour, les hommes l'appelleront cheval. Avec lui, tu seras plus fort. Tu seras plus rapide que le vent, Thor. Mais il a de l'orgueil et de la force. Il te sera difficile de le dompter. Déjà, au nom sacré de la mort, des eaux sauvages et des vents furieux, fais qu'il perde de sa force et devienne le plus faible de tous, fais qu'il meure. Thank you.
Nut! Nut, Thor arrive! Il est sur une énorme bête! Il court plus vite que le vent! Il piétine les esprits de la terre! Ça suffit! C'est le moment de rentrer. Allons, vite! Restez tous ici! Revenez! N'abandonnez pas votre chef! Revenez! Oh.